Bon, là, j'arrive de là-bas. Regardez, ouais. Les montagnes. Là, regardez cet arbre-là. Ce gros arbre-là, vous montrez juste pour la grosseur, comme ça, vous allez voir que c'est pas un petit arbre, là. Hein? C'est pas petit. Alors, regardez comment il est fait, celui-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est un gros arbre, là. Regardez où il s'en va. Il s'en va, il est penché, puis il s'en va en arrière, là. Puis là, je vais monter, je vais aller vous montrer. Il est tenu par l'autre arbre. J'ai perdu mon bâton. Je le ramasse avant de partir. OK. Alors, regardez cet arbre-là, là. Mon arbre, là, qui est là, le gros, là, penché, là, il a été plié, puis il a été mis en dessous de cette branche-là. Regardez ça. C'est tout usé. Vous pouvez voir qu'il a été mis en dessous, là, en dessous de sa grosse branche-là. Puis il traverse l'autre bord. Il continue à grossir l'autre bord. Vous voyez comment c'est usé. Les ours grimpent dessus. Il y a des affaires qui grimpent dessus, c'est sûr, pour être usé comme ça, là. Puis regardez comment c'est un gros arbre, là. Ça prend une très grande force pour tasser ça comme ça, là. Moi, c'est impossible. Même si je grimpe dessus, il ne pliera pas. Okay. C'est des affaires de même. Bon, on va ramasser mon bâton. Là, je peux pas vraiment voir de traces. Le terrain est trop dur. Je vois des traces de chevreuil, là, mais c'est à peu près tout, là. Fait, je vais m'en aller dans cette direction-là, au travers du broussailles, là. Il y a quelque chose qui est là-bas, qui se promène là-bas, là, qui... c'est tout pilacé, là. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le bois. Fait, je suis capable de reconnaître juste à vue d'œil qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui se promène, puis... remonter mon bâton de golf. Puis, juste vous montrer celle-là, là. Ça, c'est bizarre, là. Regardez ça. C'est un gros.